Je regardais parce que je suis rentrée le 11, j'ai commencé le 12 exactement. Et Ouais. le 20, ben, je crois 10 jours après, j'avais fait mon premier closing et tu m'avais envoyé un petit message vocal. J'aurais écouté le petit message vocal et tu me disais, ouais, c'est que le début, on est avec toi sur les lives. J'ai pas raté un seul live en fait. Pas un seul, quoi. Et c'est hyper important en fin de compte. C'est une Ouais. plus-value de fou, quoi. Écoute, c'est un plaisir que d'avoir avec nous. Et alors, du coup, tu vas partager tout ça, tu vas nous expliquer un peu ton parcours, d'où tu viens. Tu as un parcours qui est super intéressant. Déjà, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu faisais avant pour ceux qui nous écoutent? Parce que je m'attendais pas et je pense que les gens ne s'attendent pas à ce que tu faisais avant. Dis-nous. Ah, d'accord, ok. Alors, moi, en fait, ça fait à peu près 24 ans que je suis psychanalyste. Et en 24 ans, bon, j'ai un bac plus 8, je suis diplômée également en neurosciences. Donc, je suis profiler également. J'ai travaillé avec les forces de l'ordre. Je travaille à l'international. Donc, je suis business coach également. Voilà, bon, j'ai un parcours. Voilà, après, ben, j'ai T'as un roulé ma parcours bosse. chargé. Hein. D'accord. J'ai Donc, roulé autant vous ma bosse. dire. Voilà, je fais de la formation aussi. J'ai été chasseuse de tête aussi pour les RH, c'est-à-dire tout faire les études de profil. Voilà, voilà pour mon parcours. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous rejoindre? Qu'est-ce qui fait avec tout ça que tu es décidé à nous rejoindre? Ben, en fait, je revenais de Tahiti. Là, ça faisait à peu près. Donc, j'étais sur Bora Bora exactement, et Tahiti, où j'ai eu à peu près une année et demie de mission. Je suis revenue en France, je devais repartir là normalement sur l'Afrique, j'étais appelée sur l'Afrique. Entre-temps, je devais rester 7-8 mois en France, donc je me suis dit, bon, je vais réouvrir mon cabinet, histoire de ne pas rester à rien faire, quoi. Hein. Et puis en fin de compte, là, ça a été complètement hémorragique parce que j'ai bouffé quasiment la moitié de ce que j'avais mis de côté à Bora. Et puis, bon, je me suis dit, il va vraiment falloir faire un truc et j'ai eu envie de me réorienter. Mon fils est dans l'informatique, est ingénieur informatique. Et il me disait qu'effectivement, on avait vu une émission il n'y avait pas très longtemps où il disait que dans les 10 à 15 ans, 30% de la population mondiale gagnerait leur vie dans le digital. Donc je me suis dit, bah, voilà, moi qui aime le challenge, qui aime apprendre, je suis une scientifique de base. Donc je me suis dit, allez, je me lance. Et puis comme ça me permettra aussi de pouvoir continuer mes voyages tout en travaillant avec mon téléphone. Et puis je pense que j'avais le profil de toute façon. Voilà, au niveau communication, tout ça, ce n'est pas un souci. Donc, Ouais, ton profil de profiler, parce que tu vas nous parler un peu de tes résultats, etc. C'est vrai que c'est une grande force, ton côté j'avoue. psychanalyste, etc. Bah, ça te permet bien évidemment d'avoir une certaine avance dans la communication avec les autres. Et du coup, est-ce que tu peux nous partager tes résultats? Vas-y, partage-nous maintenant où est-ce que tu en es du coup? Ça fait combien de temps exactement que tu nous as rejoints? Eh ben, ça fait 2 mois, une semaine. Je suis arrivée le 11 novembre, j'ai commencé exactement le 12 novembre, donc ça fait oui 2 mois, une semaine. Là, au dernier challenge, j'étais à peu près à 30 000 euros de chiffre d'affaires et avec aujourd'hui, ça fait 37 000. Rien qu'aujourd'hui, j'ai calculé, j'ai gagné 2 000 euros. Combien? 2 000 euros aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui. Magnifique. Je m'excuse, il y a du bruit derrière moi au moment où tu nous dis qu'aujourd'hui tu as gagné 5 000 euros. Non, 2 000 euros, 2 000 euros 2000. aujourd'hui. Voilà. J'ai gagné 2 000 2000 euros euros. et j'ai fait 7 000 euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as fait 7 000 et tu fais 2 000 euros. Ouais. Magnifique. Et comment ça se passe maintenant, alors que tu as découvert le digital et que tu es devenue closeuse chez nous? Oh ben ça se passe que je vais rester dans le digital, hein, tout simplement. Hein. Et puis je vais reprendre mes voyages parce que j'ai l'argent maintenant, j'ai le cash flow pour voyager dans le monde entier. Donc oui, là je bouge plus, quoi. Je veux dire, bon, à part, de toute façon, vu que je suis souvent appelée à l'international, si vraiment il y a des missions, pourquoi pas, mais c'est voilà, je le mets pas, je mets plutôt le closing en avant, là. Je mets Et plutôt le du coup, closing en qu'est-ce que avant. tu dirais, toi, à une personne qui hésite à nous rejoindre, qui te regarde, qui était comme toi? Ça veut dire qu'il n'y avait pas de notion forcément dans le digital au départ, parce que toi, Ah non, pas du tout. tu n'avais pas forcément de notion, Non. et qui hésite à nous rejoindre, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je dirais? Je dirais que, alors c'est toujours compliqué parce que quelqu'un qui hésite, je pense qu'il faut avancer en tout cas des arguments, il faut être convaincant, il faut être dans l'authenticité et je pense que c'est ce qui me caractérise et ce qui fait ma force, c'est que je passe toujours un message authentique. Je dirais à une personne qui hésite, très honnêtement, faites un coup de poker, quoi. N'hésitez pas parce que vous allez être gagnant, c'est clair, 1000%, quoi. N'hésitez pas, n'hésitez plus. Voilà. Super, super. Donc voilà, maintenant
c'est à vous, soit vous mettez tapis, soit vous mettez le all-in, soit vous mettez rien. merci à Stéphanie de nous avoir partagé aujourd'hui ces résultats. Merci à vous. Ces témoignages étaient hyper attendus. Donc, je vais laisser ton contact juste ici si vous avez des questions sur son parcours ou que vous souhaitez être guidé ou que son témoignage vous a parlé. Vous savez que vous pouvez contacter Stéphanie directement. Stéphanie, je ne te retiens pas plus longtemps. Merci pour tout ce que tu fais dans l'académie. Encore une fois, c'est un échange qui est gagnant-gagnant. C'est un plaisir de t'avoir dans nos équipes. Et bravo aussi. Encore pour tes résultats. Et puis, nous, on te dit à demain sur le live. Okay? Oui, c'est clair. À très bientôt. Merci, Mathias et David. Bye. Merci. Bonne soirée. Ciao. Salut à tout le monde. Bye-bye.